Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du château de Fresnoy. Le château de Fresnoy est un château situé à Montmédy, dans le département de la Meuse, en région Grand Est. Le monument portant sa date de construction a été édifié en 1618 par Mathieu d'Arran, lieutenant-gouverneur de Montmédy. Le château de Fresnoy et sa terre sont ensuite passés à la famille de Raymond au milieu du XVIIe siècle. Il fut abandonné en 1874 par Louis d'Azan d'Aigremont et son épouse Louise de Raymond pour bâtir un nouveau château par un architecte parisien en 1877. Puis il passe aux mains du baron d'Aiguart après la Première Guerre mondiale qui fut rasé le château au XVIIIe siècle. Plutôt XVIIe siècle. En 1923, on garde donc que l'orangerie datait du XVIIIe siècle. Le portail d'entrée, la porte piétonne ouvrant sur le village et des terrasses descendant vers la Sierre. Les matériaux du gros œuvre sont le calcaire, la pierre de taille, le moellon et l'enduit. L'élévation intérieure est composée d'un sous-sol et de deux étages carrés, et le toit est à longs pans. Les bâtiments de dépendance, y compris le portail du XVIIe siècle, le parc et ses murs de terrasse, l'escalier, les bassins, y compris la colonnade et l'orangerie, sont inscrits au titre des monuments historiques par l'arrêté du 9 avril 1990. Merci d'avoir regardé les vidéos. Si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime et partagez. Abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur les histoires des sites archéologiques. À bientôt.